Bah oui, on était venu ici pour prendre des points, pour gagner le match, parce que si on faisait un nul ou une défaite, on était hors du coup pour la montée en CFA2. C'est un bon pas en avant, mais il y a encore du chemin, parce qu'on a deux matchs très difficiles, en sachant qu'on ne nous fera pas de cadeaux, ce qui est normal. Donc il va falloir aller chercher deux victoires encore. Il y a de la qualité individuelle, il y a surtout maintenant une qualité collective, beaucoup de mental, même quand on est mené au score, les garçons ne lâchent pas, beaucoup de rigueur tactique. Et d'efficacité dans les zones de vérité, donc ce qui fait qu'on a pris beaucoup de points au mois de février. C'est Michel qui l'a fait. On repart avec une défaite sur un match qui était important pour l'objectif de la montée. Bah, y a beaucoup de déceptions forcément pour les garçons. Bon, le score est quand même sévère, même si on prend ce troisième but dans les arrêts de jeu. Bon, voilà. On fait le plus dur en ouvrant le score en deuxième période et puis on est puni sur deux occasions, deux actions de Saint-Ouen-l'Aumône. Ils marquent deux fois, tant mieux pour eux. Et nous, on va se concentrer sur nous-mêmes déjà et à tout faire pour gagner nos deux derniers matchs. Et puis après, on verra ce qui se passe de l'autre côté, mais on n'a pas renoncé encore à la montée, non.